à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette soirée en compagnie de Nancy Houston, organisée par l'Alliance française de Paris et le comité d'entreprise de la RATP, en partenariat avec le Centre culturel canadien, avec le soutien de l'Institut français et la Fondation des Alliances françaises. Alors, l'Alliance française de Paris et son directeur Franck Desroches et la responsable culturelle Flore Bénard remercient tout particulièrement Katia Lapeyre, Jean-Baptiste Lebescam, Lisa Aimé et Marion Raillé du Centre culturel canadien et également Patricia Guérin du comité d'entreprise de la RATP. Alors, cette discussion va durer environ une heure et vous pourrez ensuite poser des questions à Nancy Houston via la plateforme Livestorm et le système de chat que vous voyez sur votre écran. Je précise que vous êtes 570 inscrits représentant 48 pays. Voilà pour les détails techniques. Bonsoir Nancy Houston. Bonsoir Sophie. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'Alliance française pour une discussion autour de vos deux derniers livres. Alors, Je suis parce que nous sommes, qui est un recueil de chroniques paru au mois de janvier aux éditions du Chemin de Fer, illustré par les très belles œuvres du peintre canadien Edmund Allen. Et puis Arbre de l'oubli, un roman paru au mois de mars aux éditions Actes Sud. Est-ce que ces deux livres qui paraissent presque en même temps ont été écrits simultanément? Est-ce que la fiction et la non-fiction se sont nourries? Elles se sont croisées, on peut dire, puisque au moment où la pandémie s'est déclarée, j'ai fui Paris, j'ai fui la France et me suis réfugiée chez un ami en Suisse. Et me suis soudain retrouvée incapable d'écrire. Et j'étais très, très surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait un grand silence dans ma tête parce que je me sentais déracinée gravement. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même, je comptais sur le sol français pour me rassurer, pour me donner une sorte d'assise. Et donc, le premier constat, c'était ce silence. Et j'ai écrit un petit texte sur le silence, sur cette impuissance littéraire, qui s'appelait « Hors sol ». Finalement, c'est devenu la première chronique du recueil. Et j'ai écrit presque toutes les autres chroniques dans ces conditions-là, c'est-à-dire d'être dépaysé, expatrié de mon pays d'adoption, si je peux dire. Et j'ai laissé de côté le roman pendant plusieurs semaines. Finalement, ça m'a rassurée de pouvoir me sentir liée au monde à travers ces chroniques qui paraissaient à droite, à gauche, dans la presse, dans Libération, dans Reporter, etc. Et donc, j'ai pu revenir au roman et je l'ai terminé là-bas. Donc, c'était les deux ont cohabité dans ma tête et mon corps pendant cette période très, très particulière d'il y a un an. Et on va le voir, il y a beaucoup d'échos, en effet, beaucoup de thèmes communs entre ces chroniques et ce roman. Alors, et quelques mots quand même pour vous présenter. Vous êtes née à Calgary, au Canada, dans la province d'Alberta. Vous avez ensuite déménagé à l'âge de 15 ans aux États-Unis, dans le New Hampshire. Là, on est en 1968. Et puis, en 1973, vous arrivez à Paris, où vous poursuivez vos études à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction du philosophe et sémiologue Roland Barthes. À cette époque, vous militez également pour les droits des femmes, vous écrivez des articles, des textes dans des revues féministes. Et votre premier roman, Les Variations Goldberg, paraît en 1981. Et vous avez publié ensuite de très nombreux livres, romans, récits, théâtres ou encore essais. Parmi les plus connus, citons, en tout cas pour les romans, Instruments des ténèbres, qui a obtenu le prix du Livre Inter, L'empreinte de l'ange, Ligne de faille, Prix Femina, ou encore Bad Girl, qui est c'est le terme que vous employez, votre autobiographie intra-utérine. Alors, on va commencer peut-être, ou continuer, puisque vous avez commencé à en parler, par ce recueil de textes « Je suis parce que nous sommes », écrit pendant cette année si particulière que nous venons de vivre. Alors, c'est un livre qui aborde de nombreux sujets, donc la difficulté d'écrire pendant cette période de pandémie, vous en avez parlé à l'instant, l'écologie, beaucoup, le féminisme, les relations entre les hommes et les femmes, l'engagement politique, le corps des femmes, et on retrouve certains de ces thèmes dans « Arbre de l'oubli », alors voilà,
voilà, quelques mots pour raconter l'histoire de ce roman foisonnant qui se passe entre l'Afrique et les États-Unis. C'est l'histoire de Shaina, une jeune femme en quête d'identité. Et puis, son histoire à elle est l'histoire des deux branches de sa famille, des Juifs du Bronx du côté de son père et des WASP. Des white anglo-saxons protestants du côté de sa mère. Voilà, et puis nous parlerons aussi, puisque je crois que les personnes qui nous regardent ce soir ont envie de savoir comment on passe d'une langue à l'autre, comment on écrit dans un pays qui n'est pas le sien. Voilà, on va essayer d'aborder ensemble ces questions-là. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette question du hors-sol. Au fond, avant ce confinement, Vous n'aviez pas conscience que la France était votre terre d'écriture, au fond, vous n'en aviez pas conscience à ce point? Ce n'est pas une question que je me pose tous les jours parce que je suis là depuis presque 50 ans maintenant. Et dans cette situation très particulière de quelqu'un qui écrit dans deux langues différentes, effectivement, mais qui n'est pas publié dans sa langue maternelle, ou très peu maintenant. Donc, par exemple, « L'arbre de l'oubli », je l'ai écrit en anglais. Et c'est étrange de travailler sur un livre en anglais dans un pays francophone, et la France, et de dire « je suis enracinée dans ce pays-là ». Mais je crois que je dois avoir un sentiment, mais c'est ma famille d'abord, au sens propre, mes enfants, mes petits-enfants, et puis c'est les amitiés, et puis c'est tous les liens que j'ai tissés avec la région du Berry et au long de ces décennies, et d'être soudain interdite, en fait, de retour, puisque je pouvais retraverser, mais j'étais loin, je n'avais pas de voiture, la frontière était fermée, les trains n'existaient plus, et c'était véritablement, je me suis rendu compte que la Suisse était un pays différent. Quand les choses vont bien, que tout est normal, une frontière comme celle-là paraîtrait juste une formalité. C'est la même langue entre la Suisse romande et la France. On montre son passeport, les douaniers sourient, etc. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas du tout une femme suisse et je n'avais pas envie de le devenir. Et que, quelque part, je dois avoir un sentiment d'être accompagnée dans la vie depuis un bon moment par des lectrices et des lecteurs qui sont essentiellement le public de la France. Donc, je les sentais loin, je me sentais déconnectée, et c'était assez vertigineux. Même la RATP n'était plus là. Et je suis tellement une fidèle utilisatrice de la RATP. J'adore le métro parisien. Je fais cette parenthèse exprès parce que c'est très important. Je ne fais pas de vélo à Paris, sauf exception, parce que je trouve tellement agréable de lire dans le métro et de regarder les gens dans le métro. Voilà. Mais vous dites aussi, pour continuer sur cette idée de votre rapport à la France ou aux autres pays, qu'à un moment, vous vous rendez compte que, au fond, votre véritable pays, c'est l'inconfort. Oui, c'est ça. Quand je reviens à Paris après ces 2 mois, j'ai été presque exactement 2 mois, je crois que c'était 2 mois jour pour jour, je reprends le train en sens inverse, je débarque à Paris, je me dis, est-ce que je vais me sentir chez moi, ouf, pousser un soupir de soulagement? Mais non, pas du tout. Et c'est là que, effectivement, je fais une nouvelle chronique pour dire, je comprends la vérité, c'est que mon pays, c'est l'inconfort. Mon pays, c'est le tiraillement. Mon pays, c'est de vouloir être là-bas quand je suis ici, ici quand je suis là-bas, ou en tout cas de porter en moi, la tension et les contradictions des deux, c'est sans doute ça qui me fait écrire, c'est sans doute constitutif vraiment de mon identité. Je ne vais jamais dire « je suis francophile », par exemple. Je ne suis pas francophile, je ne dirai jamais que la France est le plus merveilleux pays du monde. Je ne sais pas lequel l'est, mais ce n'est pas le type de phrase que je peux prononcer.
Je n'ai pas non plus de nostalgie, de mal du pays pour le Canada, mais je trouve précieux et important de pouvoir toujours utiliser mes lunettes françaises quand je suis aux États-Unis et inversement, et puis même à l'intérieur de la France, d'avoir les lunettes berrichonne pour regarder les Parisiens et inversement. Et c'est ça qui me fait écrivaine, en fond. C'est ce goût, je ne sais pas si c'est un talent, mais en tout cas un goût très prononcé pour la possibilité de se glisser dans la tête des uns et des autres et de voir comment les gens se perçoivent et se comprennent ou ne se comprennent pas. Mais l'écriture à l'origine est née quand vous étiez assez jeune, quand vous étiez encore au Canada, aux États-Unis. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à écrire? C'était forcément en anglais? C'était forcément en anglais, encore que j'ai appris l'allemand à l'âge de 6 ans et je suis allée à l'école, j'ai appris beaucoup de chansons et de jeux en allemand. Enfin, je parlais couramment l'allemand. Donc, écrire, je dirais que là, c'est véritablement la vocation d'écrivaine, c'est né au moment du départ de ma mère, probablement, quand j'avais 6 ans, parce que je me souviens, pas immédiatement, mais très peu de temps après, j'ai commencé à vivre avec des personnages imaginaires qui étaient assez amicaux dans un premier temps et à qui j'ai donné un nom. Je les appelais mes amis Trixie. Donc, Trixie, c'était un petit bébé dans une bande dessinée que j'aimais bien à l'époque. Et je trouvais ça... Et il y a aussi le mot « trick ». Donc, c'est l'astuce, le jouer un tour, etc. Et donc, les Trixie Friends... C'est ce qui me parlait, qui me tenait compagnie, mais qui aussi me donnait des ordres. Et c'est devenu, au long des années, je crois que ça a fleuri en véritable personnage dans ma tête. Et j'ai encore maintenant beaucoup de mal à croire que tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Mais on me dit que non. Tous mes psys m'ont dit que non. Et d'ailleurs, l'un des personnages du roman, Arbre de l'oubli, Lily Rose, a aussi ça. Elle a aussi ça. C'est inspiré en partie de mes propres personnages, les dieux dans la tête de Lily Rose, et en partie d'un personnage de roman qui m'a énormément impressionnée quand j'étais petite. Je l'ai lu très tôt, vers 9-10 ans, qui s'appelle « Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses » et qui était sur une jeune fille folle. Et je crois que je me suis beaucoup, beaucoup identifiée à cette jeune fille. Et dans un premier temps, pour elle, c'est une version exagérée de moi, c'était des dieux qui l'a consolée, qui l'a réconfortée, qui l'a rassurée. Et puis petit à petit, ils sont devenus extrêmement exigeants et punissants. Donc, c'est une sorte d'incarnation du surmoi violent. Et... Lily Rose se sent, dans le livre, elle est torturée véritablement par ces voix qui la critiquent, qui lui donnent des ordres à tout moment, qui font des observations caustiques et cassantes à tout moment. Alors, puisqu'on parle des voix et des dialogues intérieurs, vous avez aussi, vous le racontez dans les chroniques, un indien intérieur. Alors, mon vieil indien, on devrait dire autochtone, au Canada on dit indigène, en France ce mot a d'autres significations, donc on glisse d'un terme à l'autre, mais le vieil indien, dans ma tête, c'est celui qui essaie de comprendre nos façons de faire, et surtout avec le monde contemporain, avec tant de robots et tant de choses laides et spectaculairement efficaces mais inhumaines. Et donc, il y a des moments où je me dis, mais par exemple, les pelouses, c'est vraiment bizarre, c'est bizarre. D'abord, on détruit toutes les forêts. Et ensuite, on construit des petites maisons, des petites boîtes sur les terrains qu'on délimite comme ça. Et puis, on plante de la verdure, mais ensuite, on la coupe. Et je me dis que le vieil indien, il doit être... Mais je ne comprends pas.
Voilà. Ou notre manière de fumer aussi, parce qu'on sait que les Indiens d'Amérique avaient cultivé le tabac et qu'ils se servaient ils fumaient du tabac, ils avaient la fameuse pipe de la paix, etc. Mais qu'est-ce qu'il dirait notre vieil Indien s'il voyait les paquets de cigarettes que nous vendons dans les magasins aujourd'hui, où nous achetons du tabac, mais sur le paquet, c'est noir, il n'y a que des photos de bébés morts, de poumons cancéreux, etc. Fumer tue, il serait très, très perturbé, je pense. J'aime bien garder cet Indien avec moi, il m'aide beaucoup. Mais plusieurs de ces chroniques sont très critiques sur le monde d'aujourd'hui, notamment sur toutes les destructions que l'être humain inflige à la nature. Et vous dites au fond que votre génération, la génération qui a milité dans les années 1970, est passée à côté de l'écologie. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi ? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de propagande contre l'écologie pour nous faire entrer dans le monde du consumérisme et de la surproduction. Et aussi parce qu'on était paresseux et hédonistes, je pense. Je me rends compte effectivement que pour moi, il y a un des textes qui s'appelle « Délire destroy ». J'étais une boomer sans me rendre compte. Maintenant, les jeunes peuvent dire « ok, boomer », etc. Je les prends très au sérieux. C'est absolument justifié de nous regarder en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce monde que vous nous passez ? » Ah, c'est infect, c'est en train de s'effondrer pour de vrai. J'étais spécialement bien placée pour être écolo avant la lettre parce que j'étais dans une petite école de New Hampshire à l'âge entre 15 et 17 ans où déjà il y avait une sensibilité très forte écologique. On mangeait que de la nourriture, on plantait les choses, on faisait une cuisine macrobiotique, on faisait très attention, on mangeait très peu de viande. C'était pas du tout très attention de façon maniaque, mais de façon joyeuse. On lisait Rachel Carson, Le printemps silencieux, c'était déjà un livre qui existait. Il y avait plein d'occasions dont j'aurais pu me saisir pour me nourrir de cette conscience et essayer de l'étendre et de l'approfondir et de mettre les gens en garde, parce que déjà, il fallait se mettre en garde, il fallait comprendre le danger à ce moment-là, bien sûr. C'est là qu'on a commencé à dénoncer les multinationales, à dire attention, attention, cette histoire de pétrole prend des proportions invraisemblables, les pays producteurs de pétrole, tous les deals qui se sont mis en place, c'est ces années-là, les années 70. Alors pourquoi je n'ai pas fait ça ? Parce que j'étais destroy. C'est-à-dire, en fait, ce qui était chic, ce n'était pas de vouloir vivre de façon saine, c'était de vouloir vivre de façon malsaine, en fait. C'était d'abord de fumer. Comme beaucoup, beaucoup de gens, j'ai consommé des paquets de cigarettes innombrables en avalant bien la fumée à partir de 12-13 ans, sans tousser. J'ai bu, je bois encore, un peu moins. Non. Ça, c'est pas si grave, mais c'est plus une question d'attitude. En fait, je veux être très maigre, pas parce que je veux correspondre au canon de la beauté tel que la pub les présente ou quoi, mais parce que je veux être un squelette, parce que je suis déjà moitié morte. Et c'est chic d'être mort pour une jeune femme jolie comme ça. Et c'était un peu Twiggy, Twiggy on ne connaît plus sûrement, mais c'était un des premiers mannequins ultra, ultra fin, elle devait peser 30, la Brandy, elle devait peser 36 kilos, quelque chose comme ça, vraiment, quelqu'un qui sortait d'Auschwitz, on aurait dit. Et ça, c'est s'habiller en noir, et puis ne croire en rien, et
dire tout, être nihiliste en fait. J'ai écrit plus tard sur le nihilisme, c'est aussi que j'y ai adhéré. J'ai trouvé ça très séduisant, très sexy. Il y a quelque chose de très sexy dans le nihilisme, dire rien ne vaut rien. Mais vous dites aussi que, au fond, c'était vénérer l'abstraction et ne pas se soucier de la matière. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, ça va avec le nihilisme. En fait, les nihilistes sont très, très dualistes. Il y a une séparation radicale entre l'esprit et le corps, avec une survalorisation de l'esprit et une dévalorisation du corps. Donc, notamment, si on dévalorise le corps, on va toujours, à tous les coups, dévaloriser les femmes, parce que les femmes sont plus corps que les hommes, évidemment, puisqu'elles accouchent et des choses comme ça, erc. Donc, tous les nihilistes, hommes et femmes, détestent les phénomènes liés à la maternité. Et puis, elles ont leurs règles. Enfin, elles sont plus clairement corps. Donc, j'étais là-dedans. Oui, je valorisais l'esprit et je ne faisais pas attention au corps. Le corps se rend toujours, il se plaint toujours quand on ne fait pas attention à lui. Il devient de plus en plus présent. Évidemment, si on ne mange pas, on ne pense qu'à la nourriture et ainsi de suite. Mais donc le message écologique paraissait gnangnan, ça paraissait, ouais, c'est sympa, mais c'est pas vraiment de la politique. La vraie politique, c'était la révolution. Voilà, ça c'était sexy, la révolution, mourir pour une idée, comme dirait Brassens. Mais aujourd'hui, vous en voulez à cette génération, à la vôtre, enfin, vous dites, voilà, on s'est complètement trompé, ou quand même, enfin, il y a des bonnes choses à prendre quand même aussi. Enfin, aujourd'hui, comment vous regardez ces années-là? Il y avait, je crois que j'avais besoin d'entrer dans une conscience politique. Quand je suis arrivée en France, j'étais un peu post-hippie quand même, un peu juste la paix, flowers in the sky, un petit peu mieux que ça, mais pas beaucoup mieux que ça. Donc, ça m'a fait du bien d'apprendre un peu l'histoire, de connaître mieux. J'ai travaillé un an, j'ai étudié sous Jean Ellenstein, qui était un historien communiste. Et ce n'est pas pour dire que je sois pro-communiste, mais ça m'a vraiment, il m'a appris l'histoire de l'Union soviétique d'une façon qui est inimaginable aux États-Unis. Et on a toujours des lacunes énormes, bien sûr. Penser à la, je n'avais jamais pensé en termes de lutte des classes. Je n'avais, n'est-ce pas, l'approche américaine de, par exemple, la pauvreté, ça va être beaucoup plus une analyse charitable, larmoyante, sentimentale, plutôt que de comprendre les forces politiques et historiques qui font qu'il y a des énormes poches de pauvreté, notamment les descendants des esclaves aux États-Unis, etc. Et ici, il y a des énormes poches de pauvreté, notamment les descendants des colonisés maghrébins, des colonisés de l'Afrique de l'Ouest et ainsi de suite. Donc, tout ça, j'ai quand même appris. Il ne faut pas que je caricature. J'aime bien me caricaturer. Mais ensuite, je pense que tout ça a été important, mais que les écrivains comme Bruno Latour ou des politiciens comme René Dumont, qui étaient déjà en train de parler et de publier à cette époque-là, vraiment, je trouve que c'est grave de ne pas avoir compris l'importance de ce qui se passait. Et on le comprend aujourd'hui, enfin depuis quelques années. Vous parliez à l'instant du rapport aux femmes dans ces années-là, dans les années 1970. Donc, vous avez milité dans les mouvements féministes et vous dites dans votre livre que à cette époque, on faisait du mother bashing, c'est-à-dire qu'on dénigrait la maternité, qui au fond était incompatible avec une certaine idée du féminisme. Là aussi, sur les questions féministes, vous avez fait du chemin. Oui, moi, je n'ai pas personnellement fait du mother bashing, mais c'était très répandu dans les milieux où je pouvais évoluer, avec des exceptions, mais en règle générale.
Oui, le mouvement des femmes, finalement, l'expérience que moi j'en ai eue, ce n'est pas celle-là. C'est, j'ai été dans des groupes qui ont fait des journaux et des magazines. Donc, le journal Histoire d'elle, qui était un mensuel, et le journal littéraire, Revue littéraire sorcière, qui était, qui paraissait, je crois, 4 fois par an, ou quelque chose comme ça. Plus, mais les femmes qui faisaient ces revues, beaucoup d'entre elles étaient mères, et on partageait, on devenait amies, on partageait beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas non plus donner l'image d'un mouvement des femmes monolithiques, de virago, dénonçant l'hétérosexualité, la maternité ou quoi. Mais c'était, pour des raisons évidentes, c'était minorisé. Et la raison évidente, c'est qu'on a été réduite à notre fonction maternelle pendant très longtemps. Et donc, pour dire qu'on mérite d'être respectée et d'être des citoyennes à part entière, ce qui était loin d'être le cas dans ces années-là, il fallait insister sur autre chose, sur tout ce que nous étions capables de faire par ailleurs. Parce que tout le monde savait qu'on pouvait faire des bébés. À quel moment avez-vous éprouvé le besoin d'écrire de la fiction? Écoutez, c'est une chose qui m'a obsédée entre 15 et 20 ans, la fin de mes années de lycée, le début de mes années estudiantines à New York. J'ai fait des ateliers d'écriture, j'avais très 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 envie d'être une écrivaine. J'ai travaillé avec un grand romancier américain quand j'étais à la fac à New York, qui était Doctorow, l'auteur de Ragtime et d'autres très très bons romans, d'ailleurs très politiques et très marxistes à plusieurs égards, en tout cas de gauche. C'était un juif du Bronx, très 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 à gauche, merveilleux monsieur. J'avais envie de que mes nouvelles et mes textes lui plaisent et qu'il me dise que j'allais être une écrivaine, etc. Mais toutes les filles dans sa classe voulaient la même chose et on se détestait les unes des autres et on voulait être une écrivaine et on se vantait de notre blocage d'écrivain, c'est notre angoisse de la page blanche et tout ça. Et ça, je trouve légèrement ridicule, bien sûr, maintenant. Et c'est très stupide. Donc, en fait, ça m'a fait du bien de passer par ce moment hyper politisé, les quelques premières années où j'étais en France, politisé avec les mouvements gauchistes, politisé avec les mouvements de femmes, et où finalement j'ai commencé à écrire dans ces journaux, j'ai publié mes premiers textes dans une ambiance de solidarité et de sororité. Exaltante, où soudain je me sentais tellement, je sentais que ma vie avait du sens et c'était peut-être la première fois que j'ai compris je suis parce que nous sommes. Je sentais que ça avait de l'intérêt pour moi de mettre ma plume au service. Si j'avais une plume, je commençais à essayer de développer une plume dans la langue étrangère. J'ai publié mes tout premiers textes en français. Et ça, c'était fantastique. Et donc, j'ai attendu 7 ans avant de publier mon premier roman. C'est beaucoup. Enfin, j'étais pas vieille, mais c'est passé 7 ans entre mon arrivée en France et l'écriture du premier roman. Donc, l'arrivée en France a aiguillonné quand même quelque chose du point de vue de la création. Mais la langue étrangère m'a beaucoup quel est le mot que je cherche? La langue étrangère m'a aidé à mentir. C'est ça. Et pendant 15 ans, je n'ai écrit qu'en français. Et j'ai menti. C'était un mensonge très nécessaire. Mon mensonge était que j'étais née en fait en arrivant à Paris, que je m'étais engendrée moi-même. Beaucoup d'exilés vivent dans cette illusion-là, dans ce mythe-là, qu'ils deviennent quelqu'un d'autre, qu'il y a une renaissance et que en fait, tout ce que j'avais vécu dans l'enfance, qui était humiliant ou douloureux ou dark, comme ça n'existait pas. Et je m'étais réinventée, intello,
parisienne, francophone, talentueuse comme ça, maîtrisant tout. Et sûrement, j'avais besoin de ça pendant quelque temps. Si j'avais continué dans cette voie-là, je pense que j'aurais écrit des livres moins intéressants. Je le pense sincèrement. Donc, à un moment donné, toute cette construction a commencé à se craqueler et à s'effriter et à s'effondrer. Et je me suis un peu effondrée. J'ai compris qu'il fallait que je récupère la langue maternelle, que je puisse inclure ma propre enfance et tout ce que j'avais traversé. Parce que si on écrit seulement avec l'intellect et les souvenirs adultes, on ne va pas au fond des choses. C'était à partir de quel livre ? Eh bien, c'est à partir de 3 fois septembre, qui est probablement mon plus mauvais roman, mais c'est celui qui marque le désir de commencer le retour vers le monde de ma jeunesse, de ma prime jeunesse, puisqu'il se passe entre... je l'ai écrit quand même en français, mais avec l'idée que les gens qui parlaient dans le roman traduisaient quelque chose vers le français qui était en anglais. Et c'était autour de la guerre du Vietnam. Et ça se passait un peu dans ce monde de ma petite école bucolique qui était... À la fois, j'en fais l'éloge et en même temps, c'était d'un apolitisme coupable pour ces années-là, où les États-Unis étaient impliqués dans une guerre atroce vraiment. Et quand avez-vous pu ou voulu retourner au Canada et dans l'Alberta ? Dans ma fiction ? Dans votre vie ? Dans ma vie ? Eh bien, j'ai passé 25 ans sans mettre les pieds en Alberta. En fait, quand je retourne constamment au Canada, mais toujours à Montréal, parce que francophonie, mais aussi parce que mon frère y habite depuis très longtemps. Ma mère y a habité jusqu'à il y a un an ou deux. Elle a fini par déménager à Toronto, mais elle était aussi à Montréal. Et puis, je m'étais fait tout un réseau d'amis francophones à Montréal, auquel je tenais beaucoup. Et l'Alberta, il n'y avait presque plus personne, quelques vagues tantes et cousins, mais je n'avais aucune envie. En fait, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas forcément attaché à son pays d'origine. Et l'Alberta, ce n'est pas un pays qui me touche, qui m'émeut. C'est un peu le Texas du Canada, c'est le pétrole, le blé, c'est souvent une politique de droite, voire d'extrême droite. Donc, ça dépend, c'est l'extraction, c'est les industries d'extraction gravissimes, les gaz de schiste, qui détruisent l'environnement, les sables bitumineux, il y a énormément de pollution. Donc, je suis retournée pour la première fois un peu en visite avec ma famille, mes enfants, mon mari, en 93. Et après, je suis allée, je crois, seulement 2 autres fois. Donc, en plus de 50 ans depuis mon départ, ça fait très, très peu. Et la dernière fois, c'était pour faire des recherches sur les installations pétrolières dans le nord de la province. Vous dites, je crois, dans le dernier texte de ce recueil de chroniques, qu'au fond, les écrivains qui vous importent, que vous aimez, ce sont des exilés. Alors, des écrivains, il y a aussi le grand cinéaste Jonas Mekas, qui est originaire de Lituanie, mais vous citez aussi Beckett, vous citez Romain Gary. Votre famille d'écrivains, ce sont eux ? Oui, c'est normal parce que tous ces gens que vous venez de citer sont au moins bilingues, sinon plus. Gary et Jonas Mekas, je ne sais pas si on connaît bien ce nom, mais c'était le grand cinéaste underground new-yorkais des années 60, 70, 80. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai un peu connu à la fin de sa vie. C'était un homme vraiment merveilleux. Et il a fait des très beaux films, mais il a aussi écrit plusieurs livres, dont une très belle autobiographie. Et c'est vrai que quand je suis revenue de Suisse à Paris à la fin de quand la frontière a rouvert, exactement il y a un an maintenant,
je me suis jetée sur un livre de Jonas Mekas, comme les gens peuvent se, cette autobiographie, comme les gens peuvent se jeter sur la Bible pour chercher un conseil. Et littéralement, j'ai fait comme ça, j'ai ouvert le livre, j'ai mis mon doigt comme ça. Je vous jure, c'est vrai. Je suis tombée sur la phrase « Au commencement était le mensonge ». Et merci Jonas, et ça m'a vraiment porté cette idée-là. Pourquoi ? C'est pas que j'ai envie de faire l'éloge du mensonge, mais c'est pour dire que ça, c'est ça qui nous caractérise en fait. C'est notre capacité d'inventer des histoires, d'inventer des fictions, de dire ce qui n'est pas forcément vrai ou pas évidemment vrai, ou d'inventer d'autres versions, etc. On n'est pas dans le littéral, simplement affirmer que les choses sont. C'est un problème en fait pour la romancière que je suis. Et je dirais que c'est pas un problème qui va partir, il devient de plus en plus présent, au contraire. C'est, en fait, je me sens de plus en plus terrorisée par l'état de notre monde, et notamment par le changement climatique. Quand je dis terrorisée, c'est un peu un mot trop littéraire, c'est comme si je dramatisais, mais... Je pense que c'est un peu l'urgence incontournable de notre temps. Et je ne vois pas comment moi, avec le don que j'ai, avec les talents particuliers littéraires qui sont les miens, comment je peux mettre ma fiction au service de ça. Donc... C'est pas grave, je suis un peu âgée maintenant, mais je me dis comment les jeunes vont faire pour ne pas faire des romans didactiques, ou est-ce que le roman va devoir disparaître, mais ce serait très très grave si on ne sentait plus le besoin d'art aussi pour regarder notre réalité. Mais j'ai personnellement beaucoup de mal à intégrer l'idée d'un message politique clair à l'idée d'un roman. C'est contradictoire pour moi. C'est pour ça que vous écrivez aussi des chroniques et voilà, pour développer cette ouais, partie-là. C'est tantôt une voilà. chose, tantôt l'autre, mais ça se marie difficilement. C'est un peu l'huile et le vinaigre. Alors, justement, ce roman, Arbre de l'oubli, je le disais tout à l'heure, votre personnage principal s'appelle Shaina, c'est une jeune femme noire qui est née aux États-Unis. Alors, on va apprendre, je ne sais pas ce qu'on peut déflorer ou pas, mais on va apprendre qu'elle a été conçue par. Oui, elle est métisse. Elle est métisse. Oui, voilà. Assistée, enfin. Par gestation pour autrui, hein, c'est ça. Voilà, et donc, c'est la fille de Joël et Lily Rose, un couple d'intellectuels. Donc, du côté de Joël, ce sont des juifs du Bronx, avec toute l'histoire des juifs d'Europe de l'Est qui ont immigré aux États-Unis. Et puis, du côté de Lily Rose, c'est une famille américaine, protestante, assez aisée. Alors, ce livre commence en Afrique, puisque Shaina est en voyage avec son compagnon, Hervé, qui est un médecin haïtien, et puis ensuite on va retourner dans le passé et suivre par bribes, puisque vous bouleversez la chronologie, on va comprendre peu à peu, remettre ensemble les pièces du puzzle. Hein. Comment est née cette histoire et ce personnage ? Oui, véritablement, ça commence avec la voix de Shaina. Je commence à entendre une jeune femme. On ne peut pas dire qu'elle soit noire, elle est métisse. Donc, c'est la fille, vous n'avez pas mentionné sa mère biologique, c'est quand même, elle a un troisième parent qui est d'importance, qui s'appelle Selma et qui habite Baltimore. C'est la sœur d'une amie de son père. Et donc, qui a besoin d'argent et qui accepte de recevoir le sperme. Ça se passe en 92, donc on n'a pas encore assisté à
l'explosion de la gestation pour autrui, comme elle est aujourd'hui un peu contrôlée, surveillée, officialisée par les structures, aux États-Unis comme en France. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment tout à fait au début, et ils ont fait ça de façon perso et rustique. Donc, Shaina est née de la rencontre de l'ovule de Selma et le sperme de Joël dans le corps de Selma, mais ensuite, elle a été adoptée tout de suite et ramenée à New York, et comme ça, ni vue ni connue, on va l'élever comme si c'était une petite blanche. Et ben, c'est pas une petite blanche. Et elle, ça marche pendant la petite enfance, et puis ensuite, ça commence à moins marcher pour plein de raisons. C'est le regard des gamins à l'école, c'est le regard aussi, son propre regard sur son corps, les différences entre son corps et celui de la mère adoptive qui est très filiforme, blonde, petite poupée, comme ça. Et les gens dans la rue qui disent « ah oui, c'est ça, c'est ta mère ». Et du coup, petit à petit, parce qu'elle rencontre quelqu'un qui va la politiser en quelque sorte, elle commence à s'intéresser à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et donc, comment est-ce qu'elle est venue, pourquoi est-ce que j'ai entendu la voix de cette jeune femme en colère? Ça, on ne peut jamais répondre, heureusement. Je n'ai pas une formule, je ne sais pas comment ça se passe. Je suis reconnaissante. Je me souviens du jour où je me suis dit c'est bon. Je sais que je tiens un thème. Je sais que je tiens mon prochain thème de roman. Ensuite, je commence à prendre des notes et je note chaque jour ce que je sais déjà et quelles sont les questions que je me pose. Et c'est étonnant. Je sais que c'est difficile à expliquer à des gens rationnels. Comment on peut se poser des questions précise sur des gens qui n'existent pas et attendre d'avoir les réponses vraies. Et si c'est pas vrai, si on triche, si ça mentir vrai, comme on connaît bien l'expression d'Aragon, hein, mais si c'est pas vrai, ça se sent. Si c'est forcé, ça se sent. Et donc, au début, je pensais qu'elle était carrément adoptée, complètement. Et puis non, je me suis rendu compte que son père était juif, etc. Je commence à interviewer des gens, j'interviewe des amis que je remercie à la fin, qui me racontent leur histoire, comment c'était de grandir un petit juif dans le Bronx juste après la guerre. Parce que moi, j'ai vécu dans le Bronx. On oublie, quand on raconte mon itinéraire, on oublie que j'ai passé 2 années dans le Bronx, dans un quartier totalement juif, et j'habitais avec un garçon juif à l'époque, donc j'étais intégrée dans les familles juives, et c'est seulement après, une fois que j'ai compris l'histoire de la Shoah, en vivant à Paris dans le Marais, à nouveau, que je me suis rendu compte que les vieilles personnes que je voyais dans les squares du Bronx, ils portaient cette histoire. Et c'était tout récent à l'époque, ce n'était que 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, c'est hier, quoi. Leurs parents, ils avaient perdu des membres de leur famille, forcément. Leurs parents avaient été traumatisés, ou eux-mêmes. Et donc, j'ai eu beaucoup de facilité à revenir à cette époque de ma vie, à recirculer dans ces rues et à sentir cette histoire-là. Voilà, c'est une femme qui a perdu tant de membres de sa famille. Elle est tchèque, les parents de Joël sont tchèques et ils ont envie d'avoir des petits-enfants. Joël va épouser, leur premier fils est homosexuel, on n'est pas encore à adopter des enfants pour des mariages dans les couples homosexuels. Leur autre fils épouse quelqu'un de stérile. Lily Rose, on va suivre les histoires de ces trois personnages. Joël, Lily Rose et la petite Shaina. Et Lily Rose, elle est très émouvante. Elle a vécu des choses très dures dans l'enfance aussi.
Et je ne sais pas si c'est l'effet de ça ou d'autre chose, mais elle arrive à la trentaine, au milieu de la trentaine, elle n'arrive pas à concevoir. Et ça paraît la meilleure solution possible d'aider quelqu'un qui a besoin de sous et voilà, d'aimer un enfant qu'on a vraiment voulu, qu'on a désiré, que tout le monde est d'accord, c'est une bonne idée. Et ben, ça ne marche pas toujours, les bonnes idées. Ce livre est né aussi d'un voyage en Afrique. Vous l'avez écrit en partie parce que vous êtes allé en Afrique. Il y a eu toute une convergence de thèmes, je dirais thèmes noirs comme ça, c'est dans ma vie ces derniers temps. Il y a eu le fait qu'un chorégraphe burkinabé m'a demandé de danser, de faire partie d'un spectacle de danse avec lui et plusieurs autres artistes. Et il y a le fait que Catherine Kokrividrovitch m'a envoyé son livre sur l'esclavage, l'histoire de l'esclavage, et j'ai vu aussi la série d'Arte, ça m'a énormément frappée. Et ensuite, quand on sent qu'on est poigné par quelque chose, Virginia Woolf raconte cette sensation très très bien dans ses essais sur l'écriture. Il y a un truc qui te poigne, mais comme un poignard, c'est juste waouh, tu sais que tu dois poursuivre cette question-là. Et donc, je m'enferme à la bibliothèque et je lis tout ce que je peux trouver sur la traite des Noirs aux États-Unis, aussi bien les grands classiques aussi des esclaves qui ont écrit eux-mêmes au 19e siècle, que je n'ai jamais étudié. J'ai beau avoir un diplôme, plusieurs diplômes américains, personne ne m'a jamais parlé de ça. Et chaque génération, ensuite, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. J'ai relu tout Toni Morrison, j'ai lu plein de poètes, j'ai lu plein de... Et ensuite, on est complètement, à la fois complètement passionné et complètement foudrage, indigné. Et je deviens Sheyna. J'ai envie de tout casser. Je comprends, quoi. Et donc, Sheyna va devenir obsédée par le thème, justement, de la reproduction sur les plantations. C'est-à-dire un million d'enfants qui sont conçus par le viol des esclaves femmes par les propriétaires, puisqu'on interdit la traite à un moment donné. Donc la seule façon de maintenir la population et de l'augmenter, pour augmenter encore les profits dans l'exportation du coton et du sucre, c'est de créer des bébés. Et si c'est moitié blanc, c'est pas grave, c'est noir. Si c'est un quart noir, c'est toujours noir, une goutte de sang, c'était ça la chose officielle, c'était une seule goutte de sang noir. T'es noir, donc tu peux être réduit en esclavage. Et quand on se dit que la richesse, pas seulement des États-Unis, mais du monde occidental, vient de cette chose-là, c'est-à-dire que la révolution industrielle, dont nous sommes tellement fiers, est véritablement alimentée par ce sucre-là, oui, ça donne une autre vision du monde. Ça donne une autre vision du monde. Et on a le cœur qui bat à suivre cette jeune fille qui devient de plus en plus en colère contre ses parents qui ne comprennent rien, qui l'aiment, qui ont toujours tout fait pour lui donner une bonne éducation. Et elle rentre chez eux en visite et elle les engueule, elle fait des sermons, enfin, elle devient insupportable. Mais vous parliez de cette question des enfants nés dans les plantations. C'est un livre qui parle, alors sous plein de formes différentes, des contraintes et des violences infligées au corps des femmes. C'est vraiment la question du corps des femmes, je trouve. Et pas uniquement pour cette question des bébés nés dans les plantations. Oui, mais on n'a pas à chercher très loin pour tomber sur ces thèmes-là, en fait.
au moment où j'ai commencé, par exemple, on parlait beaucoup moins de pédophilie. Mais c'est vrai que la petite Lily Rose a été victime d'un geste pédophile grave. Mais comme beaucoup de femmes, quoi, on est peut-être. On découvre l'étendue de ces problèmes-là. Encore une fois, dans nos sociétés, je ne suis pas persuadée que c'est universel dans l'espèce humaine, mais c'est sûr que nos sociétés qui ont créé un tabou autour de la sexualité ont créé aussi beaucoup de perversions et de manières de contourner les interdits ou de les transgresser avec excitation, etc. On ne peut pas imaginer Georges Bataille dans un pays africain pauvre, vous voyez ce que je veux dire. Vous dites dans le recueil de chroniques que le fait d'aller en Afrique, mais aussi d'aller par exemple au Cambodge, vous a fait avancer dans votre travail de romancière. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Mais oui, je n'aime pas être touriste. Donc, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs possibilités de voyage dans des pays très différents de l'Occident, pour des prétextes ou des raisons professionnelles liées au travail. Le Sénégal d'abord, je faisais des recherches pour Infrarouge et j'ai eu une grande chance de rencontrer Ousmane Sow et sa compagne Béatrice Soulet qui m'ont mis à disposition pas seulement un logement mais tout un réseau d'amis, des choses comme ça. Donc c'est à partir du moment où on commence à entrer vraiment un peu sous la surface d'un pays et on se pose des tas de questions, on commence à voir notre monde différemment. Le Cambodge, c'est un truc qui m'a obsédée. Je suis allée il y a déjà pas mal d'années et je me suis sentie concernée par ce pays pour des raisons que je ne saisissais pas. Et j'ai fini par écrire l'œuvre de Pierre qui évoque toute l'histoire du XXe siècle comme ça du Cambodge parce que quand même j'ai été suffisamment marxiste pour soutenir Pol Pot à l'époque où il a pris le pouvoir. Et c'est le genre de choses où tu te dis après, mais c'est quand même très grave. C'est très grave les prises de position de la gauche française dans ces années-là et qui ont permis le déferlement du pire au loin pendant que nous, on se gargarisait de concepts. C'est très grave. Salia Sanou, le chorégraphe avec qui j'ai bossé ces dernières années, une fois, je me rappelle, il vit entre Ouagadougou et Montpellier. Et un jour, j'ai dit, mais comment tu fais pour faire l'aller-retour entre les deux mondes? Et il m'a dit, je ferme les portes. Et je crois, ça m'a vraiment frappé. Je crois qu'on ne peut survivre que si on ferme les portes, effectivement. C'est tellement difficile de maintenir ces deux réalités en soi, face à face. Ça fait craquer, ça fait pleurer. Nous sommes là avec nos préoccupations tellement nombrilistes, tellement de luxe, enfin, quand même. Et on oublie que la plupart un très grand nombre d'êtres humains n'ont pas de quoi manger, n'ont pas où se loger, n'ont pas. Je ne veux pas tenir de discours, donc je m'arrête. ça me fait penser, quand vous parlez de préoccupations de luxe, ça me fait penser à un texte dans le recueil de chroniques qui m'a beaucoup amusée, beaucoup intéressée, qui s'appelle « Homme doux ». Et au fond, vous dites à nous, les femmes, il faut qu'on aime et qu'on fasse des enfants avec des hommes doux et non plus avec des guerriers, avec des gagnants, avec ce type de profil. Sinon, notre petite révolution féministe ne servira à rien. Exactement. Oui, c'est un texte important pour moi. Et ça commence avec juste un constat. Je pense que les scientifiques confirmeront que
nous sommes responsables de cette violence masculine, nous les femmes, pas qu'on les fait exprès, bien sûr, mais que au long des millénaires et des centaines de milliers d'années de l'existence d'Homo sapiens, nous avons préféré, nous avons sélectionné en fait des hommes pour leur force physique et leur capacité de nous défendre, nous et les enfants, contre des animaux sauvages dans un premier temps, contre des tribus qui pouvaient nous encercler, nous attaquer, etc. Et donc on a continué de sélectionner des hommes forts, des hommes forts, des hommes agressifs, et c'est devenu contre-productif, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que nous avons maintenant une quantité de violence et d'agressivité masculine dans le monde qui est excédentaire, qui est beaucoup, beaucoup plus qu'il n'en faut. Hein. Et en fait, je suis toujours frappée par une sorte de vide, d'absence dans la parole féministe contemporaine, ou alors je suis sourde à ce message, mais je ne l'entends pas. On s'occupe bien sûr de choses importantes, de dire pas de harcèlement sexuel, pas de gestes inappropriés, j'ai le droit de faire ci, je suis libre de faire ça, on le voit dans le métro en ce moment, je suis libre de faire ci, sortir. Ok, c'est fantastique. Mais en attendant, chaque fois qu'on ouvre le JT le soir, on voit 95% des nouvelles sont en train de parler des mâles dominants et ce qu'ils font dans le monde. Et leur façon de se rentrer dedans, que ce soit ceux qui dirigent les gouvernements, les armées, les églises, les entreprises, la bourse, c'est des hommes, alpha, enfin les hommes dominants. Donc, je dis, et les filles, il faut arrêter de faire l'amour avec ces mecs-là, il faut arrêter de faire des bébés avec ces mecs-là, on va choisir que des doux, on va faire l'amour avec des doux, et on va fabriquer que des doux. Pendant quelques centaines de milliers d'années, on va voir si ça va mieux. on va voir ce qu'en disent les personnes qui nous regardent. Je vais commencer à prendre les questions du public qui arrivent sur ma tablette. Alors, Annie, qui est à Bonn, en Allemagne, nous dit « Bonsoir, ma question porte sur « Je suis parce que nous sommes ». Pourquoi avoir choisi des œuvres d'Edmund Allen pour illustrer cet ouvrage ?» Merci de cette question. J'avais très envie d'en parler. Edmund Allen, c'est un peintre et sculpteur québécois qui a vécu entre 1930 à peu près et 2006, si je ne me trompe. Et je le connais parce qu'on m'a sollicité une fois pour écrire une préface à un catalogue de ses œuvres-là. Et j'ai été frappée par ses œuvres. Je suis devenue ensuite très, très amie avec sa fille, Jennifer Allen. Donc, c'est presque... Edmond est parti un peu à l'arrière-plan. Et ensuite, quand j'écrivais ses chroniques, je me suis rendu compte que je pensais beaucoup, j'avais ces images dans la tête et dans ces encres. Ce que l'on voit souvent, c'est des choses sans les êtres humains, c'est des chaises qui restent ou ce sont des ponts de bateaux, mais on ne voit pas de personnes, on voit des bancs et encore plus inquiétant, on voit des choses en train de tournoyer dans l'espace. Des objets, des artefacts de la vie humaine, mais complètement chaotiques. Il y a des bretelles, il y a des jouets d'enfants, il y a des instruments de musique, il y a des bouts de bâtiments, etc. Un singe aussi, je crois. Et alors, il y a beaucoup de singes qui sont sur des piédestals. Et ça, j'adore cette série-là, parce qu'ils se moquent évidemment de nous. Nous sommes des singes et nous sommes des primates supérieurs, nous autres êtres humains. Et nous adorons nous mettre sur des piédestals comme si nous étions vraiment très, très importants. Et il y a aussi un couple d'éléphants en train de copuler, mais qui est sur un piédestal. Et donc, oui, je me suis dit, c'est ça. Je suis en train maintenant d'imaginer l'univers post-Homo sapiens et les gens qui viendront essayer de comprendre ce qu'on a bien pu fabriquer avec cette belle planète qu'on a dépeuplée
de tant d'autres espèces animales et végétales avant de nous foutre en l'air nous-mêmes. Bravo Edmond. Lucrecia qui nous écrit d'Argentine. Le mouvement des femmes est très fort en Argentine et on assiste à une explosion d'écrivaines féministes. Que pensez-vous de ce type de littérature engagée? Est-ce que ça peut finir par ennuyer? Mais de façon générale, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas beaucoup les romans à message. Je dirais ça craint. Si on peut être pour le mouvement féministe et on peut dire c'est déjà féministe d'encourager des femmes écrivaines, des femmes excellentes écrivaines. Mais c'est quelqu'un comme Arundhati Roy, par exemple, qui est une de mes auteurs préférés, une très grande romancière indienne. Je trouve elle aussi, elle a tendance à séparer les choses. Elle a des personnages magnifiques comme les femmes dans ses romans, et trans aussi d'ailleurs. Mais ensuite, elle est militante écolo, vraiment, et pas seulement écolo, mais politique. Elle a de très fortes analyses politiques de ce qui se passe en Inde, notamment, mais aussi plus généralement. Elle écrit beaucoup de textes politiques et elle ne mélange pas. Et moi, j'ai plutôt ce choix-là. Effectivement, si je sens que l'auteur d'un roman ne laisse pas ses personnages libres et qu'il veut absolument me communiquer ses pensées et me faire penser comme lui, moi, j'arrête tout de suite. Je ne veux pas le lire. Je ne veux pas le lire. Les idées, je peux les trouver dans tellement d'autres endroits. Je ne veux pas les trouver dans les romans. Alors, c'est intéressant parce que la jeune femme, je ne sais pas si elle est jeune du tout, mais la dame en Argentine ne sait peut-être pas, mais Lily Rose est une féministe. Et c'est intéressant de travailler avec un personnage féministe. Donc là, je peux, par exemple, lui donner plein de mes propres préoccupations. Mais je la rends antipathique. Elle est seulement antipathique. C'est ça. Elle devient antipathique, en fait. Et ça, c'était génial de trouver cette idée-là. J'étais très contente quand j'ai compris qu'elle pouvait être assommante. Elle pouvait assommer sa fille, Shayna, la métisse, avec ses blabla féministes à l'infini, même si, en fait, j'adhère complètement aux idées qu'elle est en train d'exposer. Mais c'est justement, je veux montrer comme c'est insupportable dans certains contextes. On ne veut pas être sermonné dans toutes les circonstances. François, qui est à Metz, en France, voudrait savoir, alors je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais comment expliquez-vous le fait de ne pas ou plus être publié ailleurs qu'en France? Vous êtes traduite dans d'autres pays ou... Oui, oui. Ce n'est pas exactement... qu'en France, par exemple, celui-ci a déjà plusieurs contrats de traduction, mais ce n'est plus en anglais, c'est ça, c'est plus dans ma langue maternelle. Mais je n'essaie pas de m'expliquer, je trouve qu'il y a des problèmes tellement graves dans le monde, c'est un peu indécent d'être là, dire « je suis quand même tellement géniale, qu'est-ce qu'ils ont à ne pas me publier enfin, ?» Je ne comprends pas, franchement, non. J'y pense pas. Alors, une question. Alors, je m'excuse par avance si je prononce pas bien son nom. Une question qui nous vient de Chine, de Xinchiletu. Vous avez dit que votre pays est l'inconfort, le tiraillement. Comment l'expliquez-vous si l'on transfère ce sentiment au niveau linguistique? En plurilingue que vous êtes, en quoi la navigation entre les différentes langues favorise-t-elle une démarche de décentration chez vous? Mais c'est ça exactement. Je me dis que cette personne doit très bien savoir de quoi elle parle parce que elle a un nom chinois et elle maîtrise le français comme ça. Donc elle doit parler au moins deux langues, sinon plusieurs langues. Moi, je trouve que c'est une richesse objective d'en parler deux et pas seulement parce que ça nous permet de voyager ou de rencontrer des gens différents, mais parce que ça relativise votre première identité.
le fait de vraiment comprendre que c'est possible de voir les choses très différemment et de les nommer différemment, on est décentré effectivement. Je pense que s'il y a trop de relativisation, comme c'était le cas pour Romain Gary, par exemple, il parlait trop de langues, il avait été dans trop de pays, trop de situations, il comprenait un peu trop tout, surtout. Il s'est mis une balle dans la tête. Je crois que, je ne dirais pas c'est la raison pour laquelle il s'est suicidé, mais c'est dangereux de trop relativiser. Mais d'être dans ce tiraillement, je trouve que je revendique véritablement parce que ça nous rappelle que l'identité est en fait quelque chose de construit. Quelque chose de construit. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire quelque chose de faux. On n'a pas d'identité donnée. On la construit, on la bricole avec la langue que les gens nous parlent quand on est petit, les histoires qu'ils nous racontent sur notre famille, notre pays, notre église ou quoi. Et tout ça, c'est des histoires un petit peu arrangées et enjolivées pour nous rendre fiers d'être nous et nous préparer aussi à voir les autres comme inférieurs, etc. C'est probablement... Ça fait partie de la vie humaine depuis la nuit des temps, cette chose de nous versus eux. Donc, on ne peut pas vivre sans identité. L'être humain générique n'existe pas. On ne peut pas penser sans une langue. Et il n'y a pas de langue qui soit sans histoire, qui ne soit pas liée à toute une histoire de violence, de tiraillement, justement, d'exclusion, d'inclusion, de bagarre, etc. Toutes les langues sont aussi une prise sur le monde. Donc, quand on apprend une langue, on apprend aussi toute une métaphysique de comment on voit le monde, comment on va nommer le monde. On est tributaire de ça, on est totalement dépendant. Personne n'est au-dessus de ça. On a eu besoin d'imaginer des dieux qui... qui serait au-dessus de ça et qui verrait tous nos agissements de haut et de... Mais non, il n'y a que des façons de faire et des façons de voir. Donc nous sommes ces choses relatives. Et ça, c'est précieux. C'est pas seulement précieux pour les écrivains. C'est très précieux pour les écrivains, mais c'est précieux pour tout le monde. Si on peut véritablement comprendre cette chose-là, ça vous rend modeste. Mm. À propos de nommer le monde, vous faites tout un développement sur les noms d'oiseaux. Alors c'est très beau, toute cette liste de noms d'oiseaux que vous donnez, et en même temps vous dites que au fond c'est une manière de dominer en fait pour l'être humain, nommer les oiseaux. C'est une manière d'avoir le pouvoir sur eux. Oui, c'est d'après la Genèse, dans l'Ancien Testament, justement l'être humain reçoit de Dieu le droit et le devoir de nommer les animaux. Et c'est vrai que c'est un point commun entre les chroniques « Je suis parce que nous sommes » et le roman « L'arbre de l'oubli » parce qu'à un moment donné, l'amie de Shaina, Felisa, l'amie haïtienne, elle dit « C'est tout est une question de nommer. Qui peut nommer les autres ?» Et donc, elle rappelle ça, que Dieu nomme Adam et que Adam a le droit de nommer les animaux. Et ensuite, les animaux ne nomment personne. Les hommes nomment les femmes, c'est-à-dire que les femmes prenaient le deuxième nom, le nom de famille de l'homme, dans nos sociétés en tout cas. Les blancs nommaient les noirs, ça c'est très connu, raison pour laquelle Malcolm X a décidé de s'appeler X, parce que tous les noms des noirs américains étaient des noms de leurs propriétaires, comme on sait. S'ils changeaient de propriétaire, ils changeaient de nom, comme les femmes changeaient de nom si elles se mariaient une deuxième fois, elles prenaient le nom du deuxième mari, etc. Donc en quelque sorte, nous n'avons pas de nom. Nous n'avons pas de nom, encore maintenant.
on a beau dire je garde mon nom de jeune fille, c'est quand c'est même le nom de mon père, c'est évident. Donc, c'est très important. Dans la tradition juive, encore une fois, le tétragramme, ce n'est pas le nom de Dieu. Il n'a pas de nom qu'on pourrait prononcer. Et c'est ça qui lui donne une supériorité sur tous. C'est ça qui le rend absolument supérieur. Une question de Ejmoxo, pardon si je prononce mal, qui nous écrit de Nanterre, en France donc. Il me semble que les écrivains anglais ont du mal avec le magical realism. Comme vous, je me suis perdue dans les livres des Noirs aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud ou bien des Indes, mais je n'ai jamais trouvé une telle magie en anglais. Est-ce qu'on est trop contraint ? Tiens, c'est intéressant. Très intéressant. Ben, il faut lire Arundhati Roy. Mais c'est une anglophone, mais elle est indienne, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, je vais réfléchir à ça. Je ne vais pas essayer de répondre, mais merci. C'est très intéressant comme question. Une autre question de François. Les révolutions des années 1970 ont guidé les jeunes de l'époque. Quelle révolution souhaiteriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui ? J'ai un petit peu de mal personnellement avec l'idée de révolution parce que j'ai quand même passé une grande partie de ma vie avec quelqu'un des pays de l'Est et donc où on prétendait avoir fait la révolution. Et c'était très, très, très dur, la vie dans les pays de l'autre côté du rideau de fer. Donc, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais je suis activiste. Et je pense que les différentes luttes devraient se rejoindre. La lutte écologiste devrait rejoindre complètement la lutte féministe, qui devrait rejoindre complètement la lutte, par exemple, des gilets jaunes, qui devrait rejoindre, etc. Je ne vais pas essayer de hiérarchiser tout ça ici. Mais il me semble que, oui, c'est le même ennemi. Et je ne sais, oui, on essaie de préserver, c'est très important pour moi de préserver, pas seulement dans mon activité professionnelle, mais dans ma vie quotidienne, amicale, amoureuse, familiale, l'idée de ce que devrait pouvoir être la vie quotidienne, etc., sans que ce soit une course au fric, sans que ce soit une course au pouvoir, et donc j'ai tendance aussi à essayer de soutenir les politiciens et les politiciennes qui parlent de façon un peu naturelle, qui ne montent pas sur leurs grands chevaux, qui ne s'égosillent pas, qui ne passent pas leur temps à attaquer. Je pense que c'est important aussi de formuler quel est notre idéal ici et maintenant et d'essayer de la réaliser vraiment tout le temps, en fait. Pas seulement en disant l'avenir radieux, enfin, le grand soir, mais toujours, toujours, au fur et à mesure, jour après jour. Une question de Marie-Lise qui nous écrit de Bordeaux. J'ai cru entendre que Arbre de l'oubli avait été écrit d'abord en anglais. Qu'en est-il de la version anglaise ? Est-ce qu'elle va être publiée ? Ben, si elles veulent publier. Que pouvez-vous dire de vos choix ou préférences linguistiques quant à l'écriture et à la publication de cet ouvrage ? Pardon, encore ? Que pouvez-vous dire de vos choix ou préférences linguistiques quant à l'écriture et à la publication de cet ouvrage ? Mais c'est très simple, en fait, j'écris dans la langue que parlent mes personnages. Donc, si je campe un roman aux États-Unis, comme c'est le cas ici, je ne vais pas l'écrire directement en français. Ce serait de la traduction, ce serait trop bizarre. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais
Ensuite, c'est vrai que j'ai le manuscrit en anglais et c'est fastidieux parce que j'ai beaucoup de versions différentes et à chaque fois, à partir du moment où j'ai fait une première version de la traduction, je suis en train de jongler avec les corrections dans une langue, les corrections dans l'autre. Maintenant, j'ai complètement réorganisé tout le livre pour avoir ce côté un peu fragmenté que vous avez évoqué au début. Et la même chose avec la version anglaise, couper-coller. Les gens ne se rendent pas compte, ils pensent qu'on est là à juste écouter notre muse. Oh, c'est passionnant d'être écrivain, mais ce n'est pas du tout ça. C'est ting, 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 ting. Mais c'est toujours un peu décevant, en fait, de traduire le roman. On sent toujours que c'est pas exactement aussi bien dans la traduction que dans la langue originelle. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, je serais vraiment ridicule de me plaindre. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir des lecteurs et lectrices en français. C'est génial. Vous avez toujours un texte en chantier ou vous avez besoin de laisser reposer, d'avoir certaines phases de... Je ne peux pas écrire de roman coup sur coup. Si vous regardez, c'est vrai que j'ai beaucoup publié, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me consacrer essentiellement à l'écriture depuis très longtemps. Et comme je reste en bonne santé à peu près, je continue de bosser et j'alterne plutôt. Je ne peux pas écrire de roman de suite. C'est épuisant, pas physiquement, mais psychiquement. Et à chaque fois que je termine un roman, je pense que je n'en écrirai plus jamais. Mais pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que je me suis vidée complètement. Mais c'est comme pardon pour la comparaison un peu discutable politiquement peut-être, mais il y a beaucoup de comparaisons avec la grossesse et l'accouchement. Et une mère qui vient d'accoucher, elle est fatiguée, mais elle est aussi épuisée parce que l'enfant a bouffé son calcium et tout ça pendant les 9 mois où il était dans son ventre. Et ben c'est pareil, les personnages ont bouffé votre âme pendant qu'ils étaient en vous. Et quand on les a mis au monde, on est juste... On n'a plus rien. Enfin, moi, c'est comme si je n'avais plus rien. On va vous laisser reprendre votre souffle et vos forces jusqu'au prochain. Donc, je fais deux autres petits projets en ce moment qui sont un livre d'entretien pour jeunes publics dans la série « Je chemine avec » au Seuil, dirigée par Sophie L'Huillier. Et ça livre un petit livre, mais avec l'idée de mon chemin. Qu'est-ce qui m'a... C'est pas pour me donner un modèle du tout. Et c'est un défi très intéressant à relever parce que, en fait, je me rends compte que ce qui est intéressant dans mon cheminement, c'est les murs que j'ai pris. C'est vraiment ça qui est et c'est ça qui m'a fait écrivaine. C'est pas le fait d'avoir été dans le cours de doctorat à New York. C'est parce que j' ai pris des murs. Donc ça, je m'amuse beaucoup à faire ça en ce moment. Et puis, dans un deuxième temps, je vais publier une petite lettre de 80 pages. Donc une grande lettre, mais un petit livre à Griselidis, qui est un personnage important comme ça de ma vie, une Suissesse qui était prostituée. Griselidis Real. Voilà, Griselidis Real, prostituée, écrivaine, peintre, magnifique, magnifique personnage, très très passionnant, plein de contradictions et tout. Donc je suis obnubilée par ces deux projets-là en ce moment. Et c'est exactement ce qu'il me faut pour passer un an ou deux avant de tomber enceinte à nouveau. Merci beaucoup, Nancy Houston. Je rappelle les titres de ces deux derniers livres, Arbre de l'oubli, le roman paru aux éditions Actes Sud, et Je suis parce que nous sommes paru aux éditions du Chemin de Fer. Merci beaucoup merci pour cette discussion. À vous. Et puis merci également à Frédéric Jagu, Flore Bénard, Cerise Schwaller, Magali Rollet et Delphine Leprince qui étaient à vos côtés sur la plateforme Livestorm. Un grand merci à vous tous. Et puis un dernier mot pour vous parler des événements à venir. Le mercredi 26 mai à 18h30, vous pourrez assister à une conférence sur Tintin par Benoît Peters, spécialiste de la bande dessinée d'Hergé.
Et au mois de juin, nous recevrons le 16 juin Marie Desplechin pour parler littérature de jeunesse. Et le 24 juin, Pierre Lapointe et Albin de la Simone à l'occasion de la fête de la musique en partenariat avec le Centre culturel canadien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir.